Le diagramme ci-dessous décrit le volume de peinture jaune et de peinture rouge contenu dans un pot de peinture orange. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 volumes de peinture jaune, eh bien, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volumes de peinture rouge. Et ce qu'on nous demande c'est quel est le ratio entre le volume de peinture rouge et le volume total de peinture. Le ratio entre le volume de peinture rouge et le volume total de peinture. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de répondre à cette question tout seul et on se retrouve tout à l'heure. Alors, on va le faire ensemble, et bon, ce qu'on qu lit ici, c'est que s'il y a 8 volumes de teinture rouge, de peinture rouge, pardon. Eh bien on doit ramener ça au volume total de peinture. Hein. Alors tu serais tenté de dire que le ratio c'est donc 8 pour 12, hein, pour ce 12 qui est là, mais en fait ça c'est pas vrai puisque 12 ici c'est le nombre de volumes de peinture jaune qu'il y a dans la peinture orange. Hein. Donc ce n'est pas le volume total de peinture, c'est juste la proportion de peinture jaune qu'il y a dans le pot. Donc si on doit trouver le, nombre, le volume total de peinture, eh bien, il faut tenir compte de la peinture jaune et de la peinture rouge. Et pour trouver ce volume total, eh bien, il faut additionner les deux volumes, évidemment, puisque s'il y a 8 volumes de peinture rouge, il y aura 12 volumes de peinture jaune, donc au total, il y aura 8 plus 12 volumes de peinture orange. Donc 8 plus 12, ça fait 20. Donc voilà, ça c'est le ratio entre le volume de peinture rouge et le volume total de peinture. On peut donc dire que le ratio entre le volume de peinture rouge et le volume total de peinture, c'est un ratio de 8 pour 20. Alors ça, c'est une manière de l'exprimer, mais tu auras peut-être remarqué que en fait, ce ratio-là, on peut l'exprimer de manière différente, plus simple que ça. Parce qu'effectivement, ce qu'on peut faire, c'est prendre nos huit volumes de peinture rouge ici, par exemple, et en fait, ces huit volumes, on peut les diviser en quatre groupes. On peut faire un premier groupe ici de deux volumes, un deuxième groupe de deux volumes ici, un troisième groupe de deux volumes et un quatrième groupe de deux volumes. Et on peut faire la même chose, on peut aussi répartir nos douze volumes de peinture jaune en quatre groupes. On aura dans ce cas-là un premier groupe de 3 euh, volumes de peinture jaune, un, premier, un deuxième groupe de 3 volumes de peinture jaune, un troisième groupe de 3 volumes de peinture jaune et enfin un quatrième groupe de euh, 3 volumes de peinture jaune. Et ce qui est intéressant ici, c'est que du coup on peut voir que le ratio entre la peinture rouge et la peinture jaune qui était de 8 sur 12, on peut l'exprimer différemment, puisqu'on voit bien qu'à chaque fois qu'on a deux volumes de peinture rouge, eh bien on a trois volumes de peinture jaune. Donc je peux l'écrire comme ça. Ici, par exemple, si je prends ces deux volumes de peinture rouge, eh bien tu vois que je peux les faire correspondre avec ces trois volumes de peinture jaune. Si je prends ces deux autres volumes ici de peinture rouge, eh bien je peux les faire correspondre à ces trois volumes de peinture jaune. Donc j'ai encore un ratio de 2 pour 3. Ici c'est pareil, je prends ces deux volumes-là de peinture rouge, ils vont correspondre à ces trois volumes-là de peinture jaune. Et puis enfin le dernier groupe ici, ces deux volumes de peinture rouge, je vais les faire correspondre à ces trois volumes-là de peinture jaune. Donc tu vois que le ratio de peinture entre la peinture rouge et la peinture jaune, je peux l'exprimer comme un ratio de 2 pour 3. Et bon évidemment ça ce n'est pas le ratio entre le volume de peinture rouge et le volume total de peinture. Mais ce que je peux faire, c'est me dire quà chaque fois que j'ai 2 volumes de peinture rouge, eh bien j'ai 1, 2, 3, 4, 5 volumes total de peinture. Hein. Ça c'est la peinture rouge plus la peinture jaune, j'ai 5 volumes au total. Donc le ratio entre le volume de peinture rouge et le volume total de peinture, je peux aussi l'exprimer comme ça, c'est un ratio de 2 pour 5. 2 pour 5. Et tu vois que ça c'est assez cohérent, puisque si chaque fois qu'on a 8 volumes de peinture rouge, eh bien, on a 20 volumes total de peinture, eh bien, tu vois qu'en divisant par 4, on obtient ici euh, ce ratio-là. 8 divisé par 4 ça fait 2, et 20 divisé par 4 ça fait 5. Donc ici on divise par 4 les deux termes du ratio. Voilà. Et, tu, et on obtient ce ratio là qui est un ratio de 2 volumes de peinture rouge pour 5 volumes total de peinture. Alors avant de terminer cette vidéo, j'aimerais bien te faire remarquer quelque chose d'important, c'est qu'en fait un ratio comme celui-ci d'une partie par rapport au tout, eh bien on peut l'exprimer comme une fraction, ici on aurait la fraction 8 sur 20, 8 volume de peinture rouge pour 20 volumes total de peinture. Et en fait, tu vois, cette fraction-là, et eh bien, on peut la simplifier puisqu'on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 4. Et en fait, cette fraction-là, elle est donc égale à 8 divisé par 4, ça fait 2. Sur 20 divisé par 4, ça fait 5. Et tu vois qu'en fait, on obtient cette fraction-là, 2 sur 5, qui est exactement le ratio qu'on a exprimé ici en divisant les deux termes de notre ratio initial, 8 pour 20, tous les deux par 4. Donc voilà, cette interprétation des ratios en termes de fractions, c'est quand même vraiment quelque chose d'important à garder en tête.